de la main. Allez, viens, Fistule. Il redevient invisible. On ne peut pas manger tout le monde, ça suffit maintenant. Il redevient invisible et vous sortez dans les rues de Baldur's Gate. Pendant ce temps-là, chers amis, vous êtes en train d'avancer. Dans le quartier du port et des quais. Vous ne savez pas où elle est. Stop. Est-ce que vous avez une stratégie pour le découvrir? Ouais, on va. Je pense qu'on va interroger les personnes que je croise autour du. Autour là, dans le. Est-ce que vous avez déjà vu. Un petit jet de chance petite, Ouais, un petit jet de chance. Mmh. C'est pas mal ça. Hop. On fait tous un jet de chance ou pas? Non, bah je c'est Varys. Varys. Il y en a qu'un qui est parti là, ouais. Qui ça? Zeus quoi? Oui, stop. Ça existe toute ça? Toute petite là, toute petite, une espèce d'inspectrice avec une grosse loupe. Jamais entendu parler. Ah, ouais, mais elle est trop petite aussi. Elle a dû vous passer sous la taille, vous l'avez pas vu passer. Moi, je vais m'approcher, voir si près des quais, il n'y avait pas un pêcheur. Tenter ma chance. C'est possible? Vas-y, je t'en prie. Ah non, désolé, là, monsieur. Moi, les alphelins avec des noms bizarres, je trouve ça dégueulasse. Si c'était que moi, les alphelins, on les foutrait tous à la flotte, vous voyez. T'es tombé sur un facho de Baldur's Gate anti-alphelin. Ouais, D'ailleurs, je suis du comité anti-alphelin. Je m'en détourne aussitôt. Hein. Fais-lui un droite. Je trouve ça un peu dégueulasse que vous ayez envie de rencontrer un alphelin, parce que vous savez, c'est sale. Hein. Oui. Alors moi, c'est un alphelin, c'est un gnome. C'était un gnome ou un alphelin? Je savais pas trop. Je crois que c'est un gnome. Stop. Bon, moi je vais me, est-ce que je vois d'autres passants, d'autres personnes à interroger? Ah bah des passants, des passants, il y en a partout. Ouais. Oui. Et ben je j'alpague. Vas-y. Des nouvelles personnes en leur demandant. N'auriez pas vu une personne de petite taille qui zozote, qui s'appelle Stop. Lance-moi un petit dévin. Elle est toute petite. Elle est très espiègle. Elle a une agence aussi sur les. Elle a une agence. L'agence The Stop. Ah ben oui, bien sûr. Ouais. Bah oui, c'est The Stop. Oui, oui c'est ça, voilà. D'ailleurs, je me rappelle pas si c'est The Stop ou The Stop. Il y a combien de The, je ne sais pas. C'est The Stop. Mais c'est l'agence The Stop. Donc en fait, vous continuez tout droit. Et vous tournez dans la courbe du quai, et juste dans le tournant, il y a une ruelle, et en bas, en sous-sol, il y a l'agence de The Stop. Et ben voilà, allons-y, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci. Ok, donc vous finissez par entendre parler de l'emplacement de l'agence de The Stop, qui n'était pas si loin que ça, en fait. Sariel, tu essayes de les récupérer? Allez. Le temps qu'il trouve l'information, je pense que c'est bon. Un petit jet de chance, un petit jet de chance, Ariel, pour voir si. Chance. Parce que c'est grand les quais de Baldur's Gate quand même. Ah bah là, tu n'as aucune idée d'où ils sont. Ah, c'est pas grave. Bah, je pose la question alors pour Stop. Bah, vu ton jet de chance, tu tombes sur un gars qui fait. Ah, c'est dégueulasse! Vous êtes la deuxième à me demander un truc pour trouver des alphelins. C'est dégueulasse, ces alphelins, je l'ai déjà dit là. Mais c'est pas un alphelin! C'est un gnome, je vous dis! Ah, c'est encore pire! Oh. Les gnomes, c'est pareil que les alphelins avec des gros pieds et des gros nez. Excusez-moi, mais. Il paraît mais c'est que. C'est tout mignon! Mais non, c'est pas tout mignon vous du tout. Il y a un complot gnome, c'est connu. Ah. Un complot alphelin gnome, c'est connu. Oui. Bah oui, oui, oui. Ils font tout exploser, c'est bien non, connu. Non, c'est eux, ils vont nous prendre nos emplois et tout. Bref. Bon, bah très bien. Bon, bah si, je sais la personne suivante. D'accord. Pendant ce temps-là, vous qui êtes parti et qui savez où être The Stop, vous arrivez devant la boutique de The Stop. On toque à la porte. Ok.
Ouvrez. On ouvre. Ah, comment ça va? Ah, vous êtes là. Vous êtes bien sûr, je suis de vous. Vous êtes rentré, vous avez fini de nous rentrer à Deuce Gate. Exactement. Vous avez réussi à rentrer. C'était pas gagné, oui. Parce qu'avec la porte qui sont fermées, c'était pas facile de faire dehors dans la Deuce Gate. Il faut croire qu'on est quand même très malin et qu'on s'est bien débrouillé. Oui, si, c'est pas vraiment. Alors. Avez-vous avancé dans votre enquête? Ah, sur les gens qui avancent, qui sont courbés en deux. Oui. Ouais, la poussière du voyageur. Oui, j'ai avancé parce que j'ai vu que c'était un nécromant qui a construit cette drogue. Vous êtes sûr? Et pourquoi? Vous êtes sûr qu'elle vient pas plutôt des enfers? Je sais pas si c'est lui qui l'a. C'est lui qui a les stocks. Oui, on nous a parlé aussi d'un nécromant, mais il est là depuis combien de temps? C'était avant ou après la chute de d'El Turel? Voilà, rien du tout. Je les ai suivis jusqu'à le port, et en fait, sur le port. Mais pas le port qui est le port là, le port qui est plus loin. Celui à côté qui est... de quoi? Celui, oui, qui est celui qui est abandonné. Le port est abandonné avec les épaves. Et là, où c'est ça? Bah, tu sais qu'il y a une partie du port qui est effectivement abandonnée. D'accord. Sariel, refais-moi un petit jet de chance. Toi, tu es dans la rue à chercher. Sinon, je peux envoyer Fistule sous forme de corbeau pour voir de loin s'il les voit. Au sol, donc ça va être compliqué. Vas-y. Non, mais au niveau de la synchronicité, normalement, je vous emboîtais pas de peu. Ok. Tu demandes à quelqu'un d'autre qui te dit oh, j'ai jamais entendu parler de ma vie. Ah, bah, j'ai dû vraiment faire un jet de chance minable. Jamais entendu parler de ma vie. Bah, écoute, dans ce cas-là, je tourne les talons et je pars pour les bains, moi. Pour les bains, très bien. Donc tu tournes tes talons pour aller vers les bains. De la. J'ai suivi la piste des gens qui vendent des drogues jusqu'aux quêtes qui sont détruites. C'est là qu'il est le nécromant. Mais je ne sais pas d'où il a cette drogue. Bah, de ce que j'ai pu entendre, puisque là on est dans le partage d'informations, cette drogue pourrait venir des enfers. Des enfers? Mais comme ça, je ne sais pas si c'est une drogue, ça vient des enfers. Alors ça, j'en sais pas plus. Eh ben si, parce qu'on s'était dit que peut-être quelqu'un voyait à travers leurs yeux. Oula, moi je connais rien du tout aux enfers. Non, mais quelqu'un des enfers, du coup, peut-être utiliserait cette drogue pour voir à travers les yeux des drogués. Mais du coup, ils verraient pas grand-chose, parce qu'ils sont pliés en deux, donc ils verraient que le sol. Oui, mais avant qu'ils voient le sol, quand ils prennent la dose, ils ont une espèce d'hyperacuité. Et après, ils ne servent plus à rien, et voilà. C'est très, très intéressant. Et là, tu vois qu'elle sort, en fait, une espèce de tenue qui est une robe. Et vous vous dites quand même qu'elle a l'air magique, cette robe. Parce qu'en fait, elle fait ça, et dans sa main apparaît une espèce de carnet. Ce qui s'ouvre tout seul. Et avec son doigt, son crayon, elle note des choses, et ça se note hyper vite. Des enfers, ça c'est une bonne hypothèse, ce que je note, parce que sinon c'est pas de bonne mémoire, et avec le carnet c'est beaucoup plus facile. Tu as la description précise de l'endroit où tu as vu entrer ce nécromancien? Oui, j'ai suivi ses traces grâce à ma loupe, et là elle sort une loupe. Qui vient dans sa main comme ça? Oui, c'est la loupe magique, ça, je l'ai déjà vue. Oui, c'est ma loupe spéciale qui fait que je peux suivre toutes les traces de tout le monde. Génial! Oui. Bah oui. Tu pourrais nous la vendre? Bah, pas du tout, parce que c'est mon matériel d'enquêtrice. Ouais. Grâce à ma loupe, je suis allé jusqu'au bout du quai et j'ai suivi les traces, et en fait, au bout du quai, il y a des espèces de. Il y a des bateaux qui sont cassés, et en fait, il y a des bateaux qui sont les uns sur les autres. Et tout au bout de tous les bateaux, il y a une espèce de grosse épave. Et à mon avis, le repère du décrement, c'est là-dedans. Mais il y a plein... bout du dernier bateau. Oui, mais il y a plein d'hommes partout qui surveillent. Est-ce que tu as pu observer leurs allées et venues?
J'ai l'impression qu'il y a des gens qui viennent prendre des doses de la drogue et qui vont les vendre après en ville. Et ils ont des signes distinctifs, les gens qui vendent la drogue? Ou ils ressemblent à un peu ils ont des signes distinctifs, ils ont tous très patibulaires. Ouais. Mais est-ce qu'ils ont des genre tatouages Non, pas sauf, pas forcément, comme des dockers. D'accord. Ou des marins, mais ils ont l'air tous patibulaires. Il n'y en a pas un qui a l'air gentil comme un gnome ou un alphelin. Ils viennent la nuit et le jour à des heures. Oui, même le jour, ils viennent. N'importe quand. Oui. C'est une information très importante. Merci. Oui, plutôt, oui, ça peut vous aider parce que moi, je suis pour qu'on aide les citoyens de Baldur's Gate. Alors, tout le monde doit s'entraider pour aider les citoyens de Baldur's Gate. Tu as bien raison. Est-ce que tu as pu observer autre chose? Eh ben, pour l'instant, non, j'ai vu que ça, j'ai vu qu'il y avait ce trafic et qu'il faut vraiment l'endiguer parce que les gens, après, ils sont malades, ils sont pas bien et après, même, ça se trouve, ils s'en remettent jamais. Sais-tu que ce nécromant, c'est celui que l'on appelle aussi le marchand de sable? Ah ben, je l'ai jamais vu. Mais j'ai entendu dire des gars qui discutaient parce que Zeusisa, et là elle sort une espèce de corne qu'elle met dans son oreille comme ça. Zeusisa qui me permet d'entendre très loin. Ils ont entendu la discussion entre eux qui disaient qu'il était dans le bateau, ils sortaient jamais du bateau. Les hommes, non, le nécromant ne sort jamais du bateau. Mais est-ce Oui. que tu as pu voir, grâce à ta corne et ta loupe, à peu près, quand tu dis il y a beaucoup de passages, mais c'est combien d'hommes en général? Oh, au moins une dizaine. Ah oui, il n'y a pas d'endroit plus calme que d'autres. Non, parce que là-bas, c'est bizarre. C'est des bateaux qui sont construits sur des bateaux avec des passerelles et tout. Et c'est dans l'eau. Tu peux pas. Si tu vas sur le bateau, tout le monde te voit. Sinon, il faut nager peut-être. Mais moi, j'aime pas Nager. nager, non, parce que moi, je suis alphelin et j'aime pas la nage. Je coule. Mais tu es bien équipé entre ta loupe et ta corne. N'as-tu pas d'autres objets qui te permettent de faire quelques miracles? Flotter, de Oh, flotter. j'ai un cousin qui construit des sous-marins, mais là, j'ai pas de nouvelles des sous-marins qu'il a construits. La dernière fois qu'on l'a vu, il est parti avec son sous-marin et après, on n'a plus de nouvelles. Alors, ça se trouve, il a coulé. Et où t'es-tu procuré ces objets incroyables? Ah, ça, ça c'est ma mère qui me les a transmis parce que ma mère était aussi une grande enquêtrice avant moi. Avec toi, grâce à toi, nous arrivons à démanteler ce trafic. Ta mère pourra être fière de toi. Oui, ils avaient donné beaucoup de sang parce que je pense que pour l'instant ça coûte très cher. Alors il y a que les patriarches et les entrées, mais Effectivement. ça se trouve un jour ils vont les distribuer comme ils font dans toutes les drogues. Après, ils les distribuent pas cher et tout le monde la prend. Et après, ils montent les prix comme ça, ils gagnent beaucoup d'argent. C'est comme ça les drogues, hein. Ouais. À Baldur's Gate. Bon, Est-ce bien, que merci, Wiz Stop. tu n'es pas sur une autre piste maintenant que tu sais où se trouve ce nécromant? Ouais. Ah, peut-être il faudrait que je cherche une autre affaire, mais là, j'aimerais bien quand même arriver. Si je peux vous aider, vous me dites, on pourrait boucler cette affaire déjà. Est-ce que tu connais la sirène Quelque chose. à guicheuse? Oui, c'est un endroit où on se lave, mais moi, j'aime pas trop l'eau. Non, tu confonds avec la nymphe frétillante. Ah oui, c'est vrai. Non, ah, c'est un endroit où on boit. Oui, ça, j'aime bien, par contre. Il y a dans Non, c'est cette pas. taverne des gens qui ont peut-être de près ou de loin un lien avec ce trafic. Nous n'en sommes pas sûrs, mais si tu veux jeter un œil, ou en tout cas Ah, mais rester vous voulez à parler bonne distance. des gens de la guilde? Non, 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 tu t'es trompé, c'est l'eau taverne, non? C'est pas la. Ah, la lanterne taverne, la taverne Ouais. de la lanterne de base. Voilà. Ah, bah Celle qui c'est. est dominée, qui est dirigée par le capitaine. Ah oui, Ah, bah le oui. capitaine, c'est la taverne. Ah Ouais. oui, autant pour moi. Donc c'est dans celle-ci. Garde un œil sur cette taverne. Ouais, et Et surtout garde sur tes distances. un des hommes qui se fait appeler Tommy Bellegueule. Elle sort son calepin et elle note.
D'accord, je note son nom et je vais garder. Je vais enquêter. Il se pourrait qu'il y ait un lien. Observe ses allées et venues et ce qu'il peut trafiquer. Et Et avec surtout, qui? stop. Fais attention à toi. Elle te regarde avec un air grave. Ce sont des gens très dangereux. Reste à bonne Et distance. si tu as un problème, il faut que tu puisses nous contacter. c'est ça. Il faut que Nous, tu on peut te saches défendre. où nous laisser un mot. Lousa? Peut-être à notre attention, je sais pas. Est-ce Notre que... chez nous? Oui, on peut donner l'adresse de chez nous, ou alors y a l'auberge où on a l'habitude d'aller. Zut, comment s'appelle-t-elle déjà? De l'elfe qui chante. De l'elfe qui chante, exactement. D'accord, avec vous qui chantez, ça c'est facile. J'y vais, Oui. débarras. Voilà. Tu te rends là-bas et tu laisses un message pour nous, D'accord. pour moi. Tu peux laisser une enveloppe pour Mais ne c'était quoi pas. vos noms déjà? Oriana nulle part. Varys, Ombre Lune. D'accord, elle note. Très bien. Pendant ce temps-là, Sariel, tu prends la route de la sirène aguicheuse. Oui. Non, de la nymphe frétillante, c'est ça, hein? C'est ça, La ouais, c'est nymphe la nymphe frétillante. frétillante. Donc les bains. Tu mets une quinzaine de minutes à l'atteindre. Tu connais le chemin vu que tu y es déjà allé la dernière fois. Et te voilà à l'entrée. Cette fois, il fait jour. Et les bains sont ouverts. Les bains, la grille est ouverte. Que fais-tu? Ben, je rentre, je vais prendre un bain. Alors, je te laisse rentrer. Je te laisse rentrer. Donc, quand tu passes la grille, tu arrives dans cet établissement, donc d'un seul étage, avec du stuc sur les murs. Et puis là, tu vois qu'en fait, à chaque petit bassin, il y a une nymphe. Wow. En statue qui tient différentes jarres avec de l'eau qui coule. Et tu peux faire le tour du bâtiment, l'entrée étant de l'autre côté de la façade. D'accord. Tu as une porte principale qui est juste en face de toi. Je suis devant la porte, mais je n'entre pas, comme Il faut que cela tu se cliques dit. sur la porte pour ouvrir. Ah oui, d'accord. C'est vrai que c'est pratique d'ouvrir une porte avant Voilà. d'entrer. Donc lorsque tu Waouh! rentres dans ce dans ce dans ces bains, tu as tu le vois tout de suite sur ta droite et en face de tout trois bassins en fait dont tu vois qu'ils sont visiblement chauffés puisqu'ils s'en dégagent une espèce de brume de moiteur et de chaleur. Tu vois qu'il y a des coins d'étente avec des coussins. Tu vois qu'il y a aussi deux portes, une porte qui se trouve ici et une porte qui se trouve là, qui ont l'air de donner sur des espaces un peu plus privatifs. On peut tourner en fait autour des bassins. Il y a quelques clients qui sont en train de se prélasser dans les bains. Et il y a une jeune femme que je vais te montrer qui vient à ta rencontre. C'est une jeune elfe. Alors, jeune, tout est relatif parce que tu as appris à te méfier de la notion d'âge chez les elfes. Mais en tout cas, elle est jeune pour une elfe. Et elle est vêtue assez, de manière assez légère. Tu comprends que ça doit être quelqu'un qui travaille là, tout simplement. Oui. Il y a avec... Elle, une autre jeune femme qui elle est en haut en train en fait de verser de l'eau dans le bassin. Autre jeune femme qui a l'air moins sympathique, qui porte une jarre d'eau et qui est en train de verser de l'eau dans le bassin. D'accord. Et cette jeune femme vient vers toi et te dit. Mademoiselle, vous êtes venue pour les bains. Puis-je vous montrer l'endroit
vous dévêtir? Oui, j'aimerais beaucoup. Alors elle te fait signe de la suivre. J'y vais, je la suis. Et elle descend vers le bas de la pièce, là où il y a les bassins. Et elle t'attend. Elle t'attend à cette porte. Ah, oh, j'arrive. Là, tu as une voix dans ta tête qui fait « Putain, elle est super bien gaulée !» Ah oui, hein. Tu vois que je t'emmène dans des endroits intéressants. Hein? Donc, en fait... Tu t'amuses bien avec moi, fistule? Ah, carrément, maîtresse! C'est super, cet endroit! Tu as vu, hein? On va se rincer l'œil et on va se rincer tout court. Donc, tout ça est dans ta tête, bien entendu. T'es pas en train de parler toute seule, hein, puisque tu peux parler en télépathie avec lui. Bien sûr. Elle ouvre la porte. Et tu vois qu'il y a une espèce de salle de massage, mais qui aussi sur le mur du fond comporte un espace où tu peux te dessaper et laisser tes affaires. Ouais. Et elle te demande, vous venez pour quelle formule? Les bains? Vous voulez des services particuliers, du massage, des huiles? Vous voulez des soins? Bien entendu, je vous donne la carte des tarifs. Tu vois qu'en fait, elle te montre qu'il y a un endroit où les tarifs sont donnés. C'est pas très cher, mais ça va quand même de 1 à 5 pièces d'or. Une pièce d'or pour passer la matinée dans les bains. Puis après, les services de massage, tout ça, c'est très vite assez cher. Et les soins, qu'est-ce que vous proposez comme soins? Il y a des soins à base de pierres, si vous voulez. Ce sont des pierres qui sont chauffées magiquement à la température que vous souhaitez. Ensuite, bien entendu, il y a les massages. Oui. Quimra est une excellente masseuse. Elle a des mains de fer. À vous de voir ce que vous préférez. Genre, je posais la question pour des jours prochains, mais aujourd'hui, ce sera juste les bains. Très bien. Alors, je vous laisse. Vous avez de quoi Oui, bien sûr. Très bien. Elle sort. Elle te laisse là, elle sort et elle ferme la porte. Très bien. Eh bien, je suppose qu'on se dévêtit pas entièrement pour les bains, mais je... Non, les gens que tu as croisés ont des soutifs de Donjons et Dragons. Whatever it means. Des maillots de bain de Donjons et Dragons. Je sais pas exactement ce que c'est. C'est à toi de voir. Des paréos, Donjons et Dragons. String. Voilà, des strings, Donjons et Dragons. Alors, chacun fait ce qu'il veut dans Donjons et Dragons, c'est ça qui est bien. Je prends une serviette chaude, Donjons et Dragons, et je m'en vais au bain. D'accord. Pendant ce temps-là, les petits cocos, vous êtes sortis de ces stop, et là, toujours aucune trace de Sariel. Voilà, nous pourrons la rejoindre la taverne de l'elfe qui chante plus tard dans la soirée. Ouais. Oui. Sinon, ouais, peut-être, c'est bête parce qu'on aurait pu aller voir retourner voir Flint. Il me semblait que c'était... Ah non, pas du tout. Non, moi je me demande si on n'irait pas du coup essayer d'aller voir la poutre sur ses quais. Au moins faire du repérage. Tu veux attendre avant d'aller sur les docks oubliés, là, où se trouve ce nécromant? Bah, j'imagine que de toute façon, c'est sur le chemin, non? Ah non. Les quais à Safran, c'est sur le chemin pour les docks abandonnés ou pas? Les quais à Safran sont plus proches que, voilà, que les docks oubliés. Les docks oubliés, enfin, les docks oubliés, ils sont pas oubliés du tout, hein, mais on va dire qu'ils sont en plus mauvais état, sont au bout des quais de l'autre côté de là où vous êtes, c'est-à-dire de l'autre côté de Baldur's Gate, en fait. Et on en est où dans la journée, là? Là, maintenant, il doit être le midi, à peu près. Hmm. Il faudra peut-être attendre la nuit. Hein, ah oui, mais, non, mais, de façon, et puis... mais ce soir, on a quelque chose à faire. Ouais, moi, je préfère qu'on commence par régler le problème des adeptes. Enfin, il me semble quand même moins puissant que ce potentiel nécromant. Et donc, à régler au plus vite, enfin, plus facilement. Les adeptes de Baal, tu veux dire? Ouais, ouais, oui, ou Bane, ceux qui se trouvent sous la nymphe rétiante. Je pense que ça, c'est une priorité, parce que c'est...
imaginons, je vois la chose comme un engrenage potentiel, et je pense qu'il est préférable de casser tous les petits points. Oui, avant de s'attaquer au plus gros. Au plus gros. Mais sous la nappe frétillante, c'est-à-dire passer par les égouts. Non. Soit passer par les égouts, soit passer par peut-être s'y rendre directement. Il doit avoir une. Mais sur les points de Bane, nous sommes déjà débarrassés de quelques-uns d'entre eux, mais surtout de Remy Jo. Oui, mais il n'y a pas que lui. Oui. Vaz, Féhul, Flanis, je ne sais pas qui vraiment sont ces gens-là, mais quoi qu'il arrive, il se passe quelque chose en dessous. Et là, je pense que nettoyer les égouts serait une bonne idée. Mais Sariel nous avait dit... Flanis, ce sont les prêtres des Trois Funestes. Bah, a priori. Après, on n'en est pas sûr. Si, Sariel nous avait dit que... Non, on n'est pas sûr. C'est... Mais si, la fille du duc de partir, oui, elle nous l'a dit. Que c'était une supposition. Elle n'en sait rien. Elle ne les connaît pas, ces gens-là. C'était sa supposition. Elle avait l'air de supposer très juste. Après, on verra. Sariel nous avait dit qu'elle avait suivi Tommy Bagel jusqu'à la nymphe frétillante pendant la nuit. Et qu'elle l'avait vu entrer dans les bains. Ce qui veut dire, ce qui laisse supposer que l'entrée vers... les égouts se trouvent à l'intérieur. Oui. Eh ben, allons donc, faire un petit tour au bain. Allons-y ce soir. Mais ce soir, on a quelque chose de très important à faire. Moi, j'ai noté... Mais on ne va pas commencer à déquiller, à tuer des gens dans un bain, je veux dire... Non, c'est pas ça. Je veux dire, allons en repérage, allons prendre un bain. Parce que, en fait, ce soir... Si c'est toujours d'actualité, on était supposé essayer d'aller voler le coffre. Et d'aller jouer au jeu sur le bateau et de se faire enfermer et que je prenne l'apparence de Tony Bellegueule. C'est vrai. Oui, et du coup, est-ce que nous n'irions pas juste faire un petit coup de repérage au bain? De toute façon, ça coûtera rien parce que je sais pas depuis combien de temps je suis pas allée prendre une douche. Et pour ce soir, on verra ce qu'on fait, nous, okay. Par groupe peut-être même. Je ne sais pas s'il est utile que je vous accompagne. Peut-être utile... Non plus, tu n'as pas pris de douche. Ah bon ? C'est ton orque. Mais bon, bah, après, moi je ne juge pas. Hein. Après chacun tout... Chacun fait comme il veut. Hein. Finalement, on a d'autres affaires... Il faut que j'attende après Zodge pour qu'il fasse les laisser passer pour le groupe de réfugiés que nous avons amené, que je dois amener jusqu'au temple d'Ilmater. Mais pour l'instant, j'imagine que ce sera plutôt demain, comme il me l'a dit. Oui. Je n'ai rien d'autre à faire. Oui, et puis restons ensemble, comme ça nous ne nous perdons pas. Puis nous passerons sûrement après... Je ne sais pas s'il était vraiment utile que nous soyons vus tous les trois, mais peu importe... Après tout. De toute façon. Je viens avec vous. Allons-y. Très bien. Vous partez donc en direction de la nymphe frétillante. Pendant ce temps-là, Sariel, tu t'es dessapé pour sortir dans le plus simple appareil, ou presque, dans la salle principale où je te laisse aller. Alors, mon petit chou. Tu vois des créatures de rêve dans un bassin? Lequel on choisit? Ah! Plutôt celui qui est proche de l'entrée! Celui-là à droite, tu veux dire là? Oui, c'est celui-là, la petite elfe, parce que l'autre... Oh oui, t'as vu l'autre? Oh! Elle a pas l'air de rigoler tous les jours, celle-là! Vous voilà dans la salle des bains. L'ambiance... Si tu... Elle est pas mal, la petite elfe. Elle est plus feutrée. Ouais. Il y a dans les murs de cette pièce, qui sont assez hauts en fait, des piliers qui sont au milieu de la pièce, qui soutiennent le toit. Une lumière naturelle qui traverse un peu les vitraux tout autour là. Il fait chaud. Tu rentres dans l'eau, ouais, il fait chaud là. Ouais, je suis bien. Tout autour en fait, tu as. Des fresques qui sont peintes sur les murs avec, on va dire, des
des hommes et des femmes dans le plus simple appareil qui se parlent, en sont assis. Voilà, tout ça est un peu olé olé, un peu. Tu vois que Jabaz, qui est cette jeune elfe, vient déposer une assiette avec des fleurs. Tu sens une odeur, tu penses qu'il va y avoir une huile ou quelque chose de parfumé là-dedans, pas loin de toi, et qu'elle commence à en jeter quelques gouttes dans l'eau, comme ça, pas loin de toi, comme si elle essaie de créer une ambiance un peu parfumée. C'est Et puis agréable. tu me fais un petit jet de perception. Oh. Non, je suis trop bien. Donc tu es dans l'eau avec juste un bout de la tête qui dépasse et tu vois le plafond. Mais, fistule, moi je vais profiter des lieux, mais toi, si tu allais nous faire une petite investigation dans les bas-fonds de ces bains, va jeter un œil pour moi si tu le veux bien. Oui, tout de suite là. Je peux pas rester un peu aussi. Bah, disons que après je te laisserai profiter tout ton saoul, je te le promets. Oh, d'accord, j'y vais. Après l'effort, le réconfort, Ouais, t'inquiète j'y vais. pas. Ah, ouais, j'y vais, Allez, d'accord. allez, alors on cherche tout ce qui pourrait être étrange, tu sais, genre des pièces secrètes, des êtres louches, des rituels, des choses en genre un peu en lien avec les trois funestes, tu vois, ce genre de choses, je sais pas, des trafics. Je pense que ces bains ne sont qu'une couverture. Rapporte-moi des informations, fistule. Et après, on restera le plus proche possible de cette jolie elfe. Très bien. Fistule, qui est ici, s'en va. D'accord. Donc, tant qu'il n'est Fistule pas loin, va faire un jet Ouais. d'investigation. Je vais vous le montrer, monsieur. Ah. Et tant qu'il n'est pas loin, comme je suis très détendue et très abandonnée, je peux voir par ses yeux, normalement. Et entendre aussi. Oh là Oh non, il est nul! Oh non, mais c'est pas Je vrai! suis obsédé par Putain. l'elfe. Ok, très bien. Donc il est Non. parti pour compte de Pour aller pour battre dans les toi. maçons Ouais, d'à côté. voilà. Donc il est parti. Pour l'instant, tu es très détendu et tu vois qu'il volette. Et je Il vois que des corps volette. de femmes dans ses yeux, c'est ça? Il volette. Puis en fait, là, tu vois qu'il volette un peu au-dessus du bain, mais en fait, il regarde pas en fait, parce que là, il y a des gens qui sont en train de se baigner. Il regarde pas dans le sens où il vole, en fait, il regarde les gens qui sont en train de se baigner. Et au bout d'un moment, il se prend la porte et il tombe. Et c'est là que t'arrêtes de regarder par ses yeux, tu vois, et que tu le regardes pour de vrai. Attends, je lui remonte les bretelles, je fais, hé, hey, fistule, reprends-toi. Oui, Voyons, je m'en je t'ai occupe. demandé quelque chose. Je m'en occupe. Alors, Oui, attends, mais je cherche. Et là, mais tu tu ne vois sais qu'il donc pas est. te contrôler, fistule, quand même. Il a l'air d'être parti derrière ce panier-là. Voilà. Pendant ce temps-là, les autres, vous êtes en train de remonter vers la nymphe scintillante et vous me faites un jet. Ah, là, attendez. Vous remontez dans la ville en direction. Et Oriana et Varys, à un moment, vous avez le sentiment assez étrange d'être suivi. Tarok, Oriana, tu l'as ou pas? Je sens. Ok. Moi, je perçois rien. Faisons Tarok, Non. on est suivi. Faisons comme si de rien n'était et trouvons une stratégie pour essayer de trouver qui nous. Eh ben, on Qui n'a nous qu'à suit? s'arrêter à un endroit, dans une boutique, rentrons dans n'importe quelle échoppe Non, ou. non, non, il faut choper la personne, on va pas le Mais laisser passer. non, pour la voir. Vous êtes sûr que c'est pas une impression Non, non. qui serait due à l'œil Non, que non. tu Ouais, ça. transportes? Non, non, ben alors, cette personne va nous suivre dans une échoppe et Non, non, on va voir il faut qui aller elle dans est. une petite rue, dans une toute petite rue. Ok, alors faisons ça. Allons, tournons à la première ruelle. Et Et on moi, s'arrête et on se colle au. je vais contourner pour reprendre cette ruelle par l'autre côté.
D'accord. Nous, on se colle à... on se met dans une ruelle, on se colle à elle de sorte que la personne ne nous voit que quand elle est devant la ruelle. Ok. Alors, vous, vous jetez un coup d'œil rapide derrière vous. Il y a des gens, hein, avec vous dans Oui. la rue, bien entendu, qui marchent. À première vue, tous ces gens ont l'air vraiment des citoyens très classiques de Baldur's Gate. Donc, Varys et Oriana, vous rentrez dans une ruelle et vous vous collez. Toi, Tarok, tu fais quoi? Tu continues et tu reviens, c'est ça? Moi, j'ai en fait, en étudiant un petit peu la ruelle dans laquelle vont rentrer Varys et Oriana, je trouve le moyen de contourner de manière à peut-être prendre en sandwich la personne qui nous suit, quoi. Donc vous faites ça. Et puis, toi, tu fais... Donc vous voyez pas, en fait, Varys et Oriana, parce que vous avez tourné dans la ruelle et vous êtes planqué dans la ruelle. Voyez des gens qui passent devant la ruelle. Toi, Tarok, qui est à l'extérieur, tu vois des gens passer dans la ruelle aussi. Et puis, tu vas me faire un jet... Là, tu vas me faire un D20, Tarok. Y a rien. Personne ne va dans cette ruelle. Et personne dans les gens qui passent en face de toi, personne n'a l'air d'avoir même. Enfin, toi, tu vois rien de suspicieux, quoi. Les gens te calculent pas, ils calculent pas la ruelle. Y a personne qui change d'itinéraire ou qui s'arrête. Le mouvement de la rue est exactement le même que celui que tu as vu en te retournant. Je prononce une petite prière en moi-même pour activer ma perception divine. Tu sens une présence. Potentiellement Fielon. En hauteur. Peut-être à une quinzaine de mètres de toi, quoi. J'essaie de trouver un endroit où je pourrais me dissimuler dans l'endroit que je perçois pour pouvoir ensuite observer discrètement dans ces hauteurs. Ok, tu te mets à un angle de rue. Vous, Oriana et Varys, vous êtes contre votre mur et vous voyez personne s'engouffrer dans la ruelle. Tu te mets toi contre un mur un peu en arrière. Tu regardes et tu sens que la présence, tu vois, là, par exemple, toi, tu serais là, tu vois, ici, là, caché dans ce recoin. Tu sens que la présence est là, sur le toit, quelque part. Et eux, ils sont rentrés dans cette rue, en fait, qui est là. Comme si quelque chose s'était posé sur le toit, attendait. Quelque chose que Très certainement, tu peux pas voir, en fait. je me dis que c'est certainement cette présence que j'ai ressentie aussi qui est à l'origine des mouettes égorgées là. Quelque chose qui se faufile, qui est invisible et qui se déplace Merci dans les de hauteurs. merci. Je vais retourner dans la ruelle où se trouve Varys et Oriana. Ok. Très bien, donc tu les récupères sans problème. T'as trouvé quelque chose? Tu l'as vu? Je peux pas dire que je l'ai vu, mais j'ai ressenti une présence dans les hauteurs. Tout ça Peut-être sur les toits? sur les toits, oui. Ok, je bondis sur le toit. C'est invisible. Je fais un saut, je prends appui sur le toit qui est en face et je l'atterris sur le mur qui est en face, pardon, et j'atterris. Je lui ai indiqué l'endroit exact. Alors lance un des 20, en évitant de faire un score entre 1 et 5. Après, j'ai mes capacités actuelles qui font que... Ouais. Allez. Ok. S'il... Vous voyez que Varys s'élance comme une plume. Il prend appui sur un mur, puis il ressaute et il a en deux bonds, il a grimpé sur ce toit qui doit bien être à 10 mètres de hauteur. Tu tombes lourdement sur le toit.
qui n'est pas hyper solide. Ouais. Et assez incliné. Okay. Donc, d'ailleurs, je vais t'y mettre. Donc, t'es obligé, en fait, d'une certaine manière, de. Un peu de te stabiliser et tout. Ouais. Et y a rien. Seul toi. Rien du tout. Un et moi, je sens rien. Il y a vaguement une mouette. Qui est. Là. En train de regarder dans la rue. Tu veux te focaliser sur une présence qui pourrait être proche de toi? Ouais, j'ai mon couteau, ma dague sortie à la main, et j'essaie de me focaliser ouais, sur une présence. Alors fais-moi lance-moi un D20, il va falloir que tu fasses au moins un 15. 15 et au-dessus. Allez. Ah. Rien du tout. Y'a rien. Y'a que le vent, les gens qui passent en contrebas, et ça, rien ne bouge, à part cette mouette qui est là et qui regarde dans la rue. Ça dure combien de temps la perception divine? C'est sur l'instant, c'est... Ouais, c'est sur l'instant, ouais. Je crois que... Attends, je l'avais lancé... Je la relance. La relance? Ouais. Tu sens la même présence qui est juste au-dessus de toi à 10 mètres. Pas très loin de là où est Laris. Je fais un signe à Laris, je sais pas si s'il me voit. Si, il peut te voir, ouais. Oui, je te vois. Et je lui indique la direction qui se déplace. Ok. Je m'avance avec mon couteau à la main. Très doucement, en faisant très attention là où aux endroits où je mets mes pieds. Ok. Donc tu avances. Là. C'est la direction qu'il t'a donnée, c'est là, en fait. Ok. D'un mètre. Et il y a à peu près 3 mètres avant d'arriver sur cette espèce de toit en parapet. Ouais. Et en fait, lorsque tu as fait un mètre et que tu es presque prêt à faire le mètre suivant, tu entends tout d'un coup il y a quelque chose, il y a une tuile qui bouge. Et t'as la sensation qu'il y a quelque chose qui était à 1 mètre de toi et qui est en train de marcher sur ce toit à l'opposé d'où tu viens, quoi. Ok, je saute dessus. Donc tu sautes sur le toit comme ça? Ouais, je saute avec mon couteau pour essayer de choper ce truc. Alors t'entends un bruit d'aile et tu me fais un jet de dextérité. Il va falloir que tu fasses entre 15 et 20 pour que ça ait une chance. Je suis super bon en dextérité. Hein. Ouais, mais même avec la difficulté, on va dire allez entre 13 et 20. C'est mon main la dextérité. T'as plus 4? Ouais, c'est mon caractéristique principale. Yes. Succès critique. Donc en fait tu sautes et au moment où t'es dans les airs et que tu vas tomber sur le toit, tout d'un coup tu sens quelque chose tu sens quelque chose, c'est pas très grand, ça a des ailes, et au moment où tu le touches, ça devient visible. Je fais le marque du chasseur sur lui. Donc tu t'es reculé, tu te recules dans la rue, tu veux dire? Ah okay. Oui, depuis le début, moi j'attends justement que cette chose devienne visible pour lui faire la marque du chasseur. Ok, alors... Oh, c'est pas beau, hein. Ah. Ça ressemble à ça. Là, en fait, entre les mains, et Varys, il essaie de te mordre. Te mords très fort. Tu viens de perdre 8 points de vie.
Oh. Wow. Il te mord très fort au moment où tu l'attrapes, comme ça il se retourne et il te mord très fort. Ça doit faire 30 cm. 30 cm ? Ouais, c'est petit, c'est comme ça. Ah, ouais. Ah oui. Par contre, ça a des crocs très acérés. Marc du chasseur, ça fait quoi J'ai choisi une créature que je peux voir et apporter, c'est 18 mètres. Ok. Et je la marque magiquement comme étant ma cible, et jusqu'à ce que le sort prenne fin, je lui inflige 1d6 dégâts supplémentaires lorsque je la touche lors de l'attaque avec une arme. Et j'arme mon arbalète. Et j'ai un avantage à tous les jets de sagesse, perception ou survie effectués pour la trouver. D'accord. Donc, dès que je l'ai vue, je l'ai fait la marque du chasseur. J'arme mon arbalète et j'essaie de le tirer à carreau. Ok, alors c'est toi qui vas pouvoir, t'as fait 20, Varys, donc tu veux faire quoi? Donc moi là je suis sur le toit avec ce truc dans la main. Ouais, tu le tiens, tu sens qu'il est en train de se débattre et il te mord pour que tu le lâches quoi. Est-ce que j'estime que je peux le balancer en bas et qu'il tombera en bas ou pas? Il va s'envoler. Le balancer en bas tu peux hein ça. Non, je vais lui mettre un coup de schlass. D'accord, alors lance un des 20. Je vais mettre un coup de poignard. Fumble. Oh non. Fumble. C'est dingue. Tu viens de faire à la fois un 20 puis un fumble. Ce fumble. Ce très beau fumble. Ok. Donc tu vas perdre ton arme qui va tomber. Non, mais tu peux encore réussir, tu dois me lancer un D20 avec ton bonus de dextérité, difficulté 14. Ok. Lance un D20. Non. D'accord. Tu vas pour le planter, le couteau en fait te lâche des mains et tombe. Et donc ton attaque est complètement ratée et tu n'as plus ton arme. Et là à ce moment-là, il déploie ses ailes. Tu es obligé de le lâcher parce que t'as raté ton attaque. Et il commence à s'envoler. Qu'est-ce que tu fais? Toi tu peux agir en bas. Je le vois. Bah toi oui, t'es en bas. Tu vois que ton frère est en haut. Il y a un couteau qui tombe dans la rue. Est-ce que je le vois partir? Bah tu vois qu'il y a une créature, mais c'est pas très grand, mais c'est comme un petit oiseau qui part. Je peux essayer de lui envoyer quand même un sort, j'ai le temps de lui envoyer un sort. Alors déjà on va le faire pour Tarok. Tarok, toi qui l'as... Oh, je décoche mon arbalète. Oh. D'accord, ton carreau part se planter dans le toit. Côté de moi. Tu le rates. Toi, Oriana, tu veux faire quoi? Moi, j'envoie ma main glacée, lui en serrer le cou. Alors, il faut que tu me fasses... J'essaye. Ton sort, c'est trop loin, ça part dans le ciel, à côté. Et vous voyez, tous les trois, la créature qui part. Qui prend de la hauteur, ceux qui sont en bas, rien à faire. Toi, je vais te laisser une dernière action à toi, Varys, parce que tu es sur le toit. Est-ce que tu la vois? Elle est déjà au moins à presque 18 mètres. Ok, j'essaie de lui tirer une flèche. D'accord, vas-y, lance un des 20. Ah non, j'ai pu tirer la flèche directement avec l'arc. Ouais, mais t'as pas les bonus. Touches. Tes dégâts ont été lancés. T'as fait 5 de dommages. La créature a une espèce de cri. Et tu vois que elle a pris la flèche. Ça l'a déséquilibré. Il y a une espèce de liquide qui se répand autour d'elle. Elle redonne un coup d'aile et elle est hors de portée. Ah.
Bon, je saute vite du toit et je récupère ma dague dans la précipitation. Très bien. Tu sautes du toit. Et c'est là que nous arrêterons pour ce soir, chers amis.